Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs de Nang's Reborn. Je suis très heureux de vous revoir ce matin et de vous annoncer que le lundi 1er février 2021, c'est le jour de mon anniversaire. Waouh! J'aurai un an de plus le jour de mon anniversaire prévu pour le 1er février prochain. Tiens, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Waouh! Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je pense qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais j'ai un petit problème. On va même dire un gros problème. Un gros problème avec cette fête d'anniversaire. Dois-je fêter ou pas? Dois-je faire ma fête d'anniversaire ou pas? Sachant que certaines personnes disent que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et que c'est même une fête organisée par les païens. Et que les chrétiens ne doivent pas fêter ça. Ah! Là, je suis dans la confusion. Ma pauvre fête arrive. Je ne sais pas quoi faire. Parce que on dit que c'est une fête païenne. C'est une fête qui a été créée par les gens qu'ils adoraient tout Dieu. Hein? Là, c'est compliqué. Je vais vers vous pour que vous m'aidiez à trouver ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vais faire? Le jour arrive. Le jour arrive. C'est juste le 1er février prochain. C'est juste le 1er février. Le lundi prochain, si vous voulez savoir. Le lundi prochain. Je ne sais pas. Alors que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi ces derniers temps. Surtout cette semaine, même aujourd'hui. Et j'aimerais que cette journée-là soit vraiment différente. Mais quand je regarde ici à côté où on me dit que c'est une fête satanique, je ne sais plus où mettre ma tête. Yeah! J'ai jeté un coup d'œil sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une news qui m'a vraiment choqué. Une femme, après son mariage, a décidé d'aller voir sa belle famille avec quelques proches. J'étais au nombre de 4 dans la voiture. Et sur le chemin, il y a eu accident. Pratiquement tous ceux qui se trouvaient dans la voiture sont décédés. Des morts, morts subites. La seule personne qui essaie de se battre pour survivre, c'est son mari. Il est dans un état critique. La femme venait se marier en décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2020. Elle venait d'avoir une bonne nouvelle par rapport à un poste qu'elle venait d'avoir à la fonction publique. Et plein d'autres choses. Ses magnifiques enfants sont restés dedans. Et elle-même, apparemment, elle est morte. C'est une information qui m'a vraiment choqué hier. C'est une chose qui a été faite le tour du monde, le tour des réseaux sociaux. Honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ça m'a encore plus choqué. C'est là que je me suis dit que nous devons profiter de chaque jour que Dieu nous donne. Nous devons profiter de chaque instant que Dieu nous accorde parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Non. Nous devons également nous accrocher à Dieu pour éloigner loin de nous tous les problèmes et les malheurs. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi on cherche Dieu ici. Mais c'est pourquoi on s'accroche à Dieu
C'est pourquoi en abandonnant le péché, on fait un effort pour abandonner le maximum de l'histoire. On fait tout pour être dans la légalité. Pour ne pas donner accès au diable de notre vie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, c'est triste. Mes condoléances à la famille. Que Dieu permette que son mari se mette sur pied, qu'il sorte de son coma. Vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est vraiment pas possible. Est-ce l'œuvre des sorciers? Qui sait? Mais vraiment, c'est ce que ça laisse entrevoir. Comment une personne va se lever pour aller voir sa belle famille et puis elle met un accident juste comme ça? Non, je ne peux pas croire ça. Et quand je vois toutes ces choses et que Dieu nous permet d'être encore en vie, je me dis, il faut quand même qu'on, en tout le temps, remercie Dieu de nous avoir permis d'être en vie. Et cela, on doit le faire tous les jours de notre vie. Au travers de quoi? Au travers de nos prières. Au travers de quoi? Au travers des dons qu'on a fait aux veuves, aux orphelins. Au travers de quoi? Au travers de nos actions, nos œuvres. Si on était méchant, on devient bon. On abandonne tout ce qui ne glorifie pas Dieu parce que l'homme n'est rien. L'homme n'est que du papier. Ça fait vraiment mal. Mais nous devons rester forts. Nous devons rester durs. Nous qui sommes vivants. Car Dieu nous regarde. Dieu nous regarde tous. Mes frères et sœurs, voici l'une de mes préoccupations ces temps-ci. Et comme nous sommes en famille ici sur Nostreborn, j'aimerais bien vous en parler pour voir ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo. Et j'y passerai pour voir ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous me proposez. Si vous voulez me soutenir de n'importe quelle façon, dans la description vous allez voir un lien qui vous permettra de me soutenir. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui veulent vraiment me soutenir. Et une vidéo à la fin vous en dira long sur le sujet. Un jour, c'est une bénédiction aujourd'hui pour l'être humain. Parce que le diable et ses démons sont levés. Vous aussi, mes frères et sœurs, vous ne devez plus baisser vos gardes et de vous dans la prière. Surtout, restez concentrés. Sachez où vous mettez les pieds. Sachez qui vous visitez. Sachez ce que vous faites parce que le diable, il ne dort pas. Il a beaucoup d'argent qui complote contre notre vie. Merci les frères et sœurs de m'avoir quand même suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser des j'aime pour me soutenir. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Que Dieu bénisse vous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nostreborn et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse à vous et sœurs. Bonne soirée de vous. Thanks Reborn.